C'était samedi 26 octobre au soir, la nuit du karaoké a rassemblé une cinquantaine de personnes à la salle des fêtes de Mios. Une soirée organisée par l'association Melting Pot où tous les bénéfices seront versés au profit du Téléthon. Convivialité et esprit décontracté étaient au rendez-vous de cette nuit musicale. Marie Bulac, je suis présidente de l'association Melting Pot à Mios, donc ça fait 3 ans qu'on existe. Et depuis qu'on existe, on a pris l'habitude tous les ans d'organiser une manifestation au profit du Téléthon. Et oui, donc cette année, on a décidé non pas de jouer un spectacle, mais d'organiser une soirée au profit du Téléthon et soirée karaoké, parce qu'on s'est rendu compte que dans le coin, ça marchait plutôt bien. Voilà, donc une soirée ouverte à tous, grand comme petit, et ma foi, on a du monde, donc on est content. Alors là, l'entrée est payante, voilà, donc on fait payer 3 euros l'entrée, avec laquelle une boisson est offerte. Et ensuite, j'ai plein de petites mains qui se sont mises en cuisine depuis ce matin pour faire des gâteaux, des crêpes, et donc on tient une buvette, et puis on essaye de régaler tout le monde. Alors, les prochains événements, là, c'est purement avec mon asso à moi, donc avec Melting Pot. On a le spectacle qui est en cours de construction, qui va être joué, du coup, ici, à Mios, à la salle des fêtes, début mars. Et on le rejouera ensuite, je crois que c'est fin mars ou début avril, j'ai plus les dates en tête, à la salle des fêtes de la Canon Mios. Je suis membre de la troupe Melting Pot, une association de troupes de chant qui organise ce soir pour le Téléthon une soirée karaoké à Mios. Voilà, donc moi je suis également bénévole au Téléthon, au niveau national, équipier national du Téléthon. Donc j'ai plusieurs casquettes et je fais partie de cette troupe de chant qui organise ce soir le Téléthon, le karaoké. Donc c'est la nuit du karaoké, très exactement, la 4e nuit du karaoké, puisque j'avais déjà organisé 3 nuits du karaoké précédentes entre 2011 et 2013. Et puis après quelques années d'interruption, avec le retour de cette troupe musicale, donc j'ai repris le flambeau pour organiser à nouveau une 4e nuit du karaoké. Et qui est un véritable succès puisqu'on a à peu près une cinquantaine de personnes à notre soirée. Donc on a battu tous nos records et ça va nous faire très certainement une très belle recette pour le Téléthon de cette année. Alors mes autres actions, moi je suis équipier national, donc je m'occupe de tout ce qui est digital, tous les réseaux sociaux, l'informatique, les logiciels utilisés par les bénévoles du Téléthon sur toute la grande région sud-ouest, on va dire, à partir du Cantal jusqu'en Andorre. Donc ça court vraiment à le grand quart sud-ouest, on va dire. Voilà toutes mes actions au sein de l'année. Et au moment du Téléthon, je serai à côté du plateau télévisé sur ce qu'on appelle la Buzz Room, c'est-à-dire tout ce qui est dédié justement aux réseaux sociaux, Facebook, les médias, les quelques messages sur le web avec les stars qui seront sur le plateau télévision, etc. Je suis venu donc à cette soirée où on chante. Alors moi, je ne chante pas parce que j'ai pas du tout ce talent. Mais ma fille, qui est là à côté, la Sophie, a déjà chanté à 2 reprises. Et c'est un plaisir d'écouter les gens chanter. J'adore. J'adore écouter le chant. Il y a Melting Pot que je suis régulièrement parce qu'ils font, quand ils font des spectacles, je trouve qu'ils ont beaucoup de professionnalisme, beaucoup de talent. Ils font des spectacles assez divers et que j'aime beaucoup. Ici pour chanter, pour regarder les autres, voilà, chanter. Moi je suis venue parce que déjà c'est ma maman qui chante et sa troupe, parce que c'est elle qui l'a organisée et je trouve ça bien parce que on chante et puis voilà. De voir les autres chanter, c'est... Elle chante bien. Voilà, c'est tout. Et puis parce que c'est mon père aussi qui organise la soirée, donc il fait partie de la troupe de la mère de Manoé et...
Bah, c'est bien de pouvoir chanter parce qu'on choisit des chansons. Bon, il y en a, elles y sont pas forcément, mais on a beaucoup de choix pour les chansons qu'on veut faire. Voilà, et aussi, donc, nous deux, on va chanter ensemble plusieurs chansons. Ouais, plusieurs chansons. Balance ton quoi, Parle à ma main, et c'est tout. Oui. Et moi, après, je vais chanter avec Marie, du coup, celle qui organise cette soirée, 100%. Que j'ai du temps, attends, respire un peu le souffle d'or.